Les images que vous allez voir ont été prises avec les caméras de surveillance, les téléphones portables et témoignages des habitants. Cette histoire étrange relevant de la fiction s'est déroulée au lycée Duhamel du Monceau. Il y a un an, un laboratoire pharmaceutique a ouvert à Pithiviers. On a pu constater depuis son ouverture plusieurs phénomènes étranges. Bah alors cette usine n'a rien à faire là. Déjà, quand le maire a dit qu'il voulait installer cette usine, on était tous contre dans le quartier. Maintenant qu'elle est là, il n'y a plus que des problèmes, de la pollution, tout le monde respire mal. C'est une catastrophe. Donc il faut qu'elle s'en aille et il faut arrêter ça tout de suite. On a assez de désagréments avec les betteraves pour pas en rajouter. Hein. Le maire accepte de nous parler avec plus de précision de l'usine. L'ensemble du conseil municipal et moi-même avons accueilli les bras ouverts l'installation de ce nouveau laboratoire qui, outre les 500 emplois qu'il a pu apporter, a également subventionné plusieurs établissements implantés sur notre cité, tels des lycées, des collèges, des écoles. Il a également offert tout un parc de caméras de surveillance très apprécié par nos habitants qui se sentent ainsi un peu plus en sécurité. Le laboratoire a aussi offert des fontaines de boissons dans tous les collèges et lycées de la ville. Il participe aussi à la bonne santé de la ville en fournissant gratuitement des vitamines à tous les établissements. Bonjour, bonjour. Allez-y, rentrez. Bonjour. 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 Maintenant, je vais vous montrer comment l'histoire a commencé. Alors, vous prenez vos manuels, s'il vous plaît. On va continuer la séance. Sur vous de suite. Dans notre classe. En E102.
Non, mais si, si, je déconne pas, non, c'est vrai. Mais vous, vous êtes où? Pourquoi vous êtes devant? Enfin, non, sérieux, nous, les volets se sont fermés, on est enfermés dans la classe. Dis-lui de prévenir la vie scolaire. Essaye de prévenir la vie scolaire. À partir de ce moment-là, les élèves et les professeurs commencent à s'inquiéter. Plus personne n'arrive à joindre les élèves à l'intérieur de la classe. Les images qui vont suivre ont été retrouvées grâce à la caméra de surveillance de cette salle. Observez le comportement anormal des élèves. Certains marchent tête baissée, d'autres se tiennent debout face aux fenêtres, tandis que quatre d'entre eux sont assis, l'air impassible, les bras entourant leurs jambes. Soyez attentifs à leurs lèvres. Elles remuent comme lors d'un dialogue intérieur. Cette situation étrange est loin d'être terminée. Bah nous, en fait, on n'avait pas cours, on était devant le lycée. Mais dehors, on a entendu la sonnerie, mais vu qu'on était dehors, après, on n'a rien fait. Non, en fait, ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'ils étaient enfermés, mais on n'y croyait pas. Mais on pensait que c'était une blague, enfin, c'est pas quelque chose qui se produit normalement. J'ai pas compris ce qui se passait au début, ça me paraissait tellement bizarre, je comprenais pas. Ça me faisait peur, en fait, de les voir se cogner dans tous les sens, bouger ici et là. Je pensais que c'était une blague, ça me fait vraiment peur. Les images, je les ai vues donc il y a peu de temps. Et ce qu'on pouvait y voir, c'était des élèves qui faisaient des entassements de chaises, de tables, qui... En fait, ils étaient fous, hein. Ils se précipitaient contre les fenêtres, contre les portes. Ils essayaient de sortir et c'est vrai que c'était très, très étrange. J'ai un peu de mal, j'avoue que je suis... Ouais, je suis choqué. On n'a pas d'explication. Mais je comprends pas. Je comprends rien. J'aime pas. J'aime pas ne pas comprendre et je n'arrive pas à imaginer ce qui leur arrive. Moi, j'étais à l'extérieur avec les autres, dans une autre classe. Et bah, quand j'ai vu les images, je me suis posé des questions. Pour moi, tout le monde était sorti comme tout le monde. On remarque sur les caméras de surveillance que les élèves sont de plus en plus agités. On distingue de moins en moins les détails et les gestes. Tout devient flou. On ne sait plus vraiment ce qu'il se passe et des élèves disparaissent au fur et à mesure des quelques coupures rapides des caméras. Certains élèves ne voient plus leurs amis. Après quelques minutes, les 2-3 élèves qui restaient se sont tous positionnés vers les fenêtres, puis d'un coup, les caméras se coupent. Plus aucune image. Ce qui laisse des questions inquiétantes dans les regards des élèves et des professeurs. Oui, mais j'en connaissais, j'avais des amis dans cette classe. Je sais pas pourquoi ils se sont mis à réagir de la sorte. Je leur ai pas parlé tout de suite parce que on était très émus, tous les professeurs, le proviseur aussi. Donc on a attendu un peu, on les a rassemblés ensuite et puis on leur a dit tranquillement ce qui s'était passé. Voilà. Non, pas d'explication. Pas une. Rien. Mais non. Enfin, à ma connaissance, non, personne ne sait où ils sont. Enfin, je sais pas. J'en sais rien. Ils ont été téléportés quelque part, je sais pas. Mais oui, pas de nouvelles, non. Enfin, à ma connaissance, non. Ah non, c'est complètement incroyable.